Salut tout le monde, et on se retrouve pour un nouvel épisode de Rise of the Tomb Raider. J'espère que vous allez bien. Allez, on est reparti pour la suite des aventures de Lara, hein. Alors, nous sommes toujours sur la map, le complexe soviétique. Alors, nous avons établi un camp ici, là, dans ce qu'ils appellent la cour de l'usine de cuivre, hein. Donc, on avait vu que on pouvait pas aller de l'autre côté, hein, parce qu'il fallait des flèches grappins, hein. Donc, c'est pour ça que c'est verrouillé là, hein. Alors, on a découvert, enfin, on a déchiffré le monolithe là, lequel nous a dévoilé ce cache de monnaie, hein. Alors, il y en a un autre là-bas. Et puis, il y en a un autre là-bas. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller chercher les caches de monnaie. Hein. On va y aller. Donc, on en a déjà fait une. Et puis, ce serait bien de faire la mission, là. De terminer la mission. Hein. Il nous reste une tour à exploser. Hein. Donc, on va aller faire ça. On va activer ça. Voilà. C'est comme ça. C'est fait. Hein. Et puis, on avait essayé de se chasser du cerf, hein, mais on trouve pas de cerf, hein, ils sont planqués, voilà, ça c'est chiant. Alors on a un point de compétence, on va pouvoir le mettre, hein. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre? Alors, esquive contre-attaque, non. Tueur efficace, médecine de guerre, force mortelle, non. Double tir, ça peut être pas mal ça. Nerf d'acier, sniper, un indicateur de tir à la tête apparaît quand vous visez correctement la tête d'un ennemi. D'accord. Finesse, gagner des bonus d'XP en enchaînant les tirs à la tête, les éliminations furtives ou les éliminations plongeantes. Les enchaînements plus longs augmentent les multiplicateurs de bonus. Ok, naturaliste, augmentez la quantité de ressources de fabrication naturelle que vous récupérez. Ah, ça peut être pas mal ça. Et ça, c'est quoi? Augmenter la quantité de ressources de fabrication artisanale que vous récupérez. Alors ça, si j'ai bien compris, c'est tout ce qui est bois, plantes, ouais, les plantes quoi. Et puis ça serait... Est-ce que ça serait... Tout ce qui est un matériau, hein? Ouais, je pense. Alors, et là, on a maîtrise de la fabrication, ensuite fabriquer des chargeurs grande capacité, des sacoches de ressources et des munitions supplémentaires au feu de camp. Des sacoches de ressources? Ha. Alors, spécialiste des cadavres piégés, poser des pièges sur des adversaires tués, ils libéreront un nuage de gaz mortel à l'approche des ennemis en patrouille. Ça c'est quoi ça? Balles doum doum. Fabriquer des balles pour pistolets encore plus mortels, qui maximisent les dégâts en se dispersant à l'impact. Ouais, et puis ça, des techniques perfectionnées permettent d'augmenter le rayon de détonation des objets explosifs fabriqués. Ok, bon écoutez, hein. Je dis que c'est pas mal ça. Augmente la quantité de ressources qu'on récupère. Ouais, allez, tac. Tac. Alors ça sera bien quand on aura amélioré notre inventaire. Voilà, on avait vu que on pouvait l'améliorer hein, avec ça. Donc si on pouvait se faire une sacoche, ça serait cool. Hein. Donc ça permet de transporter plus de ressources. Hein. Il nous manque 3 pots. Voilà pourquoi on essayait de se faire des serres. Hein. Et ça, c'est quoi ça? Matériel, maîtrise de la fa... Ah, compétence, maîtrise de la fabrication. Ah, c'est ça, maîtrise de la fabrication. Là-dedans. Non, 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 c'est là. Ah, on le voit plus. Ouais, c'est ça, maîtrise de la fabrication. Ok. Ok. Waouh! Du coup, il va falloir quoi en pot? Mais non! Non, non, c'est dans l'inventaire, les amis. Équipé! Voilà! Donc, ça, il nous faut 18 pots et ça? Ah, il nous en faut 24. Ok! Écoutez, on va commencer par ça. Hein. Donc, il manque 3 pots. Voilà! Allez, c'est parti!
J'ai pas regardé les armes, si on avait un truc nouveau ou pas. Donc ça, on avait dit qu'on se le gardait, hein, parce qu'il y avait 10 pots. Parce qu'on veut se faire des sacoches, enfin une sacoche. Non, ça, on n'améliore pas, puis ça, on avait dit qu'on attendait. Ok, voilà, donc ça, c'est fait. Ok, cool. Alors, on va aller chercher le cache de monnaie. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là-bas. Il est là-bas. Ça, on est plein. C'est vrai, on est plein. Hop, un lapin. Un lapin. Ah, mais pourquoi t'es passé sur le flingue? Un écureuil. Trop tard. Trop tard, trop tard. Alors, ça, on est plein. Les plantes. On est plein. Vous voyez, on est plein de tout pratiquement. C'est pour ça que ça serait pas mal d'augmenter la capacité de transport des ressources. Hein. C'est où? C'est là-bas. Et bah, dis donc, c'est loin quand même. Hein. Hop. Ha. Hop là, on se rapproche, on se rapproche. Ouah! Ah mince, je voulais sauter jusqu'à là, mais on n'a pas pu. Quoi? C'est où? Ah bah c'est là-bas. Ok. Ok, ah mince. C'était là, voilà. Très bien. Donc ça, c'est fait. On va aller chercher l'autre cache là, à mon avis, c'est dans la grotte. Tac. Allons-y! Eh ben dis donc, on se voit la gueule, hein. Hop là! Où est-ce que c'est? Oh non, 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 mais il tombe pas. C'est dans l'autre grotte. Je crois que c'est par là. Voilà. C'est beaucoup plus loin. Ah, lapin! Ah, trop tard! Je l'ai vu trop tard! Et le lapin, je l'ai loupé! Oh non! Non mais ils se sont tirés. Ok, alors tu es là-dedans le cache, enfin la cache de monnaie, voilà. Très bien. Voilà, ça c'est fait. Et elle a brillé. J'ai vu qu'elle avait brillé. Alors des fois ça brille, des fois ça brille pas. Allez comprendre pourquoi. Alors. Ah, il nous faut 4... il nous faut 3 pots. Hein. Il nous faut 3 pots. Un petit lapin là. Si tu pouvais arrêter de bouger, ça m'arrangerait. Ah, il se planque. Ah, mais c'est quoi ces mouvements qu'il fait? Hé! Dites pas qu'il me voit pas, hein, parce que je fous la flèche devant et puis il s'arrête, il fait demi-tour, c'est quoi ça? Allez, allez, tiens. Ah, je l'ai eu. Oh, il a peur, lui! Reviens, lapin. Bon, je sais pas ce que ça donne les lapins, voyons ça. Alors, est-ce que tu donnes de la peau? Oui, de peau. C'est qu'il est l'autre. Quoi? On l'a perdu? Ah, il est là, il est là, il est là, il est là. Allez, toi, tu donnes quoi?
Oh, mais j'imagine, c'est magnifique ça! C'est ce qu'il nous fallait! Alors, il y a un feu de camp juste là, 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 il est où? Hein? Ah! Ah oui, il est là! Ben voilà! Les lapins donnent de la peau! Alors on va chasser le lapin maintenant! Hop! Et tac! Et puis il y a beaucoup plus de lapins donc! On va plus s'embêter, on va se taper des lapins! Haha! Ouais, on va se faire les lapins! Ok, ça c'est bien! Alors du coup, est-ce qu'on peut améliorer notre inventaire? Attendez, j'ai pas regardé! Avant d'améliorer. C'est pour voir la différence. 25, 10, 20, 30. 10, 20, 20. Alors 25, 10, 20, 30, 10, 20, 20. Ok, voilà, c'est fait. Tac. Impeccable. Alors, on a dit 25, 10, 20, 20, 25. On est passé à 30. 10, on est passé à 15. 20. On est passé. Oh, on a gagné 10 là, au pot. Alors 25, 10, 20, 30. Ok, bah c'est ça, 10, 20, 20. C'est bon ça. C'est bon ça, plus 10, là, plus 10. Là, pratiquement. Alors 10. Alors 25, 10, 20, 30. On a gagné 15 là. Ok, cool. Bon bah voilà, ça c'est bien. On va pouvoir choper. Plus de ressources. D'accord. Ok. Allez, on va descendre. On va descendre, j'ai dit. Et vas-y, descends. Ah, mais allez, oh, descends, voilà. C'est pas possible, ça. Alors. Il n'y a plus de plantes, forcément. Il n'y a plus de bois. Oh là, qu'est-ce que c'est chiant ça! Encore on cherche un truc, il n'y en a plus! C'est quand même formidable! Et quand on n'en a pas besoin, ben, il y en a partout! Ah là, ben, des plantes, voilà. Plus une. C'est ça la ressource naturelle. Ok. Ok, ben, je cours dans tous les sens pour trouver des ressources. Oh, j'y crois pas. Alors attendez, on avait dit qu'on se ferait la tour là. Hein, ouais, ça a l'air d'être là. Tac. Allez, grimpons. Ah, il y a un accès là. Voyons où est-ce que ça nous mène. J'espère que ça nous mène jusqu'à là-haut. Ça serait bien. Ce serait bien. Hop là. Hop, du coup, on peut se prendre des plumes, ouais. Ouais, cool. Ah, il y a un trou là. Faufile-toi là. Voilà, magnifique. C'est magnifique. Allez, tac. Hop. À gauche, à gauche, à gauche. Voilà. Ouais, c'est à gauche. Ok, bon, très bien, alors par là, tac. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Essayons en face. Ah bah voilà! Hop! Hop! On voyait cette planche. Le tout c'était de trouver le moyen d'y aller. Ok, ça c'est fait. Super. Allez, on bousille ça. Voilà, c'est fait. Par contre, le nid, là, je fais comment pour le choper? Retournez voir le général des rescapés. Ok. Bon. D'accord. Faut retourner voir le PNJ. C'est ça, hein? Je sais pas où qu'il est.
Il est là. Ah, il est dans l'autre sens. Waouh, comment je fais pour y aller? Haha. Bon, on va descendre de par là. Go, 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 allez. Hop là. Non, non, non. Oh, la queue. Ah, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle tombe. C'est l'élan, c'est ça? C'est l'élan? Ça l'a poussé. Alors, on va filer voir le général. Le général des rescapés, là. Hop. Hop. Alors, où est-ce qu'il est déjà? Oui, il est au feu de camp. Ouais, il est au feu de camp. Allez, go, 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 go. Go Lara, go, 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 on y go, on y go. Allez, il est où? Où est-ce qu'il est planqué? Ah, il est là. Eh Vous oh! avez terminé? Les émetteurs sont détruits? Mais bien Les sûr! antennes relais sont neutralisées. C'est fait. Bien. Nous n'avons pas grand-chose à vous donner. Mais si vous combattez à nos côtés, servez-vous de ça. Ok, crochet obtenu, cool. Alors, crochet improvisé permettant à Lara d'ouvrir les cadenas verrouillant coffre et porte. Ah, ça c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc on a chopé un crochet. Mission multiple. Retournez voir les donneurs de mission ultérieurement pour recevoir des missions supplémentaires. Quoi? On peut se prendre d'autres missions? Hein, t'as d'autres missions, mec? Quoi? Ah, il veut pas. Il veut pas. Mission remplie, une sur une. Ok, ils ont dit ultérieurement. Bon. Hein, allez, ça, on peut le choper là. Ouais, c'est quoi? Ok, pistolet déverrouillé. Cool. Hop là. Attendez, on a chopé un pistolet. Tac. C'est quoi comme pistolet? Ah, c'est ça, c'est le pistolet semi-auto! Mais oui! Mais oui! Alors, vitesse de rechargement, c'est mieux! Oh, on a plus de mun, la cadence de tir est mieux. Alors, Ok, on se l'équipe, voilà. Voilà. On va se l'équiper. Ouais. Ok, cool! Ah, celui-là est quand même plus stable. Hein. Ah. Et par contre, on a moins de munitions. Très bien, bon, on va se prendre ça, hein, puisqu'il y a plus de mun. Ok. Ok, cool. Bon, très bien. C'est très bien tout ça. Et bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter là. Hein. Quoique. Quoique, qu'est-ce que je raconte? On a encore du temps. On a encore du temps. Alors, il y avait une armoire, je sais plus dans quelle baraque. Ah, si, c'est là, là, là. Hein? Elle était fermée, l'armoire. Par un cadenas, maintenant qu'on a un crochet, est-ce qu'on peut l'ouvrir? Voilà, c'est celui-là, c'est celle-là. Oui, on peut l'ouvrir. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Plus une tête de mort. Ah, on a le droit à trois flèches empoisonnées maintenant. Ouh, ben ça c'est cool. Ah, ça c'est cool. Vraiment très cool. Alors, y a pas un lapin ou un cerf qui traîne là. Ah, oh là, un écureuil. Les écureuils, ils donnent quoi les écureuils, hein? Non mais sans déconner. Il nous voit. Il bougeait pas. Je le vise, il se tire. C'est obligé, non? Où es-tu, petit lapin? Reviens.
Il veut pas. C'est parce que je vise là, donc il vient pas. Je vise plus. Ok, il veut plus revenir. Ah, mais il est là! Ok. Ah, j'arrive pas à la voir. Tu? Je l'ai eu. Ah mince, j'ai récupéré une flèche. Je me demande si c'est pas autre chose. C'est pas le lapin, j'ai eu autre chose à la place. Oh la gueule. Incroyable. Bon bah c'est bien, cette fois-ci on va se quitter. Hein. Voilà, allez, on va se quitter là pour cet épisode. Voilà, merci de m'avoir suivi. Sur ce, je vous dis à plus. À demain, bien. Ciao, ciao.